Salut à tous, c'est Fatal. On se retrouve donc pour une petite vidéo avec Madame B ici présente. C'est Sengoku 2. J'ai déjà fait le 1, donc si vous voulez faire le petit rattrapage, je mettrai, je sais pas, le petit lien quelque part vers la vidéo dans un petit i là, en haut pour aller voir la vidéo du 1. Donc c'est le même principe, c'est du beat'em all, c'est sur Neo Geo. On a toujours les deux personnages. Je sais pas, un peu orienté cow-boy indien, on sait pas trop ce qu'ils sont. Et on peut se transformer en espèce de chien de combat, je sais pas pourquoi, hein. C'est pas très explicite dans le jeu, en chien de combat, en ninja, et dans l'autre c'est en samouraï, là c'est en kabuki. Pourquoi? Je sais pas. C'est très typé japonais au niveau de la musique et de l'ambiance. Donc on va découvrir ça tout de suite. Donc c'est parti, je dépose. Je mets à 2. Donc au début, ça me dit, voilà, ah, on peut. C'est une frappe. On a deux boutons de frappe. Un bouton pour sauter et un bouton pour choisir la transformation quand on a. Alors dans le 1, il fallait avoir des points. Là, je sais pas ce qu'il faut. Ah, on peut parer sur les deux boutons, apparemment. Et faire un Trop super bien. coup sur les trois. Oh là, il me pose lascive. Non, c'est pas trop ce qu'il fait, Cowboy. Ouais, il pisse contre un mur. C'est très ambiance japonaise. Donc du coup le x4 ça doit être dans ça c'est No Life. Le Change OK ça veut dire qu'on peut se transformer. Alors attends, bouton, ça c'est le saut. Ok. Ça c'est frappé. Et ça c'est frappé. Ok. Et l'autre c'est donc les transformations. Donc choisis en quoi tu veux transformer. En Kabuki. Alors il est lent mais il est puissant. Alors moi je c'est celui que je préfère dans ce jeu. Oh. Alors là, c'est assez. C'est pas très sanglant parce que c'est pas du sang, c'est bleu. Mais par contre, les gars, on les coupe en deux, quoi. On les déchire. Alors, toi, t'as une arme contondante, tu vois, tu ne les coupes pas en deux. Ah, sur en deux. Voilà. T'as perdu ton chapeau. C'est ça. Le capéo a disparu. Alors, il y avait ce jeu à la salle, mais j'y ai pas trop joué. J'y ai un peu plus joué quand mon pote l'avait acheté. Pareil, c'était un des jeux trouvables à pas trop non plus en se ruinant. Sengoku, c'était pas des jeux, tu vois. Malgré qu'ils sont plutôt dans la moyenne hein, des jeux du genre. Ils sont pas plus nuls que les autres. Hein. Mais je sais pas, c'était pas. C'est ça, j'arrête pas de prendre des options. J'ai dit voilà, reculer. Toi, t'es les rases. Les rases, c'était toi. Les gens au sang bleu. Tu t'appuies là comme une brute. Mais bon. Si t'appuies sur les deux en même temps, tu pars. Tu tombes de part et d'autre. Sur la 3. 3, ça fait, je sais pas, la boule magique. Voilà. Je sais pas si ça t'use de la vie ou quoi. D'accord, j'ai pris une boule jaune et je lance des boules quand j'utilise mon sabre. D'accord. Ah! Qu'est-ce qu'il me fait? Il est chiant lui. Il est décédé. Hop. Là, on a une colonie de boules. Ouais, mais c'est la vie, non? Je sais pas.
C'est quoi cette affaire? Je dirais que c'est les... la vie. Oh, le boss. Moi, j'aime transformer alors le boss. Là, allez, hop. Bon, c'était pas, peut-être pas le boss, c'était peut-être un sous-boss, je sais pas. Non, parce qu'il y en avait un petit peu de micro. Avec des, tu sais, des espèces de bruits d'invocation. Alléluia, Dambala. Bon, ça c'est dans Chucky, mais bon. Adeldoui, Dambala. Mais tu vois, la musique est vachement cool, quoi. Bientôt mort. Alors, si je peux me changer, bon, je n'ai pas le temps. T'as pas pris la boucle de jeu? Non, j'ai pas le temps. C'est toi qui l'as pris. Parfait. C'est ça la boucle jaune. C'est ça la boucle magique. Ouais. C'est pas bien. C'est toi qui l'as pris ou c'est moi? Non, c'est moi qui l'ai pris. J'en sais rien. J'ai un tir la... L'âme de fou. Ouais, c'est ça. L'âme plus énervée. Ouais, mais en fait, quoi, j'ai une âme sur une espèce de boulette. Ouais, c'est ça. La boulette. Ouais. On se fait bouffer par un... Non, transporté. Ouais, c'est ça. Il nous bouffe, mais on se retrouve dessus. Ah bah ça, c'est le vrai bot. Le vrai bot. Le vrai boss. Qui transforme à choune. Je vais prendre le lui. Ah. Okay. Tiens, je t'envoie mes gobelins. Je vois des bouboules. Ça, c'est parce qu'on a les options. Tiens, mes petits longs nos gobelins là. Tiens, viens là, la statue de. Ici. You idiote. Tu n'es qu'un idiot. Premier boss. C'est ça. Et il y en a combien? Je sais pas. Ça par contre, j'ai pas fait mes devoirs. T'as pas fait ton travail avant? J'ai pas fait mes devoirs, je sais pas combien il y a de boss. Il est mis. Je reviendrai plus. Si t'as pas fait tes exercices, ça va plus. J'ai pas travaillé dans cette condition. Bon, je dirais beaucoup trop. Parce que les beat'em'all c'est sympa, mais au bout d'un moment c'est un peu trop long. Je trouve. Comme tu fais toujours la même chose, ça devient vite redondant, quoi. Puis surtout après, ça devient la foire aux pièces dès que t'atteins les derniers niveaux. Les ennemis ils te défoncent en deux coups, il leur faut 80 coups pour mourir. C'est un peu. C'est le problème du genre du jeu. Hein. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'on. C'est un genre qui a disparu, hein, j'ai envie de dire. On retrouve que. Ils ont un peu amélioré la formule, quoi. Maintenant, quand t'as un beat'em all, généralement, tu passes des niveaux, tu gagnes de l'XP, tu deviens plus puissant, tu débloques des nouveaux coups, histoire d'ajouter la variété, puis oui, t'as des coups à la Street Fighter, quoi. T'as pas juste le bête coup, tu fais des quarts de cercle, tu fais des hauts bas, des gauches droites. Soit un peu moins lassant. Tu ne m'attrapes plus que 1 minute vide. Et pour prendre mon joue, pour changer un peu. Pourquoi les autres sont pas assez près? Je sais pas. On n'est pas assez près. Tu dis quoi? C'est vrai que j'ai pas encore pris le yinche. C'est dans le décor. Sans lui, mais c'est ça. C'est vachement logique. Le yinche! Que je monte un peu le chien.
Bah, c'était le plus nul hein, dans l'autre, le chien. Alors là, je sais pas si. Il est mieux. S'il est mieux, mais en tout cas, dans le premier, Sidebox était tout pourri. Oh, qu'est-ce qu'il est magnifique ce boss. C'est le charisme incarné. T'attaques à coup de. Je sais pas, à coup d'eau chaude. Bah. La potion magique. C'est la potion magique. Il essaie de nous renverser de l'eau chaude sur nous. Mais en fait, l'eau elle coûte jamais. Non, il meurt avant. Non, mais t'as l'air, il y a un chien comme ça. L'eau elle coule pas. Non. C'est du slime. C'est comme la mer derrière, inanimée. Non, c'est un décor fixe. C'est ça. Là, je suis morte. Bon, super. Tiens, je te coupe en deux. En deux aussi. Allez, les gars. J'essaie de ne pas utiliser trop le même coup. Il y a un coup qui est quand même plus efficace que l'autre, quoi. C'est ça. Ce coup est quand même. Le coup vers le bas, il est trop lent, quoi. Je sais pas s'il est plus puissant, mais. Je trouve vachement moins efficace que. Que le bête coup comme ça, là. Je sais pas, ouais, le clone de bison. C'est ça. Ils ont recyclé. C'est bâti. Ça, il a fui. Ah, ah là, il est pas. Une zone à cheval, ça change un peu. Alors, il y a un bouton en devant et un bouton derrière. C'est ça. En plus, on peut pas se déplacer en haut ni en bas. Non. C'est vraiment, on dirait, tu sais, genre un espèce de bonus stage déguisé. Tu vises d'un côté ou de l'autre. C'est ça. C'est pas hyper inspiré. Hop, on est reparti. C'est quoi l'espèce d'effet crêpe qui te fait manger. C'est ça. T'as appuyé sur le bouton? Ouais. T'es remis normal. C'est vrai que j'ai le chien, le lien, et... Bah, il fait des espèces de combinaisons de coups de pied, c'est assez bizarre. Ça a un peu de sens, mais par contre, c'est le même coup. Les deux boutons, c'est le même coup. Il ouais, y a le saut qui est pas mal. C'est la boule magique quand tu fais le saut. Oh, je fais des proutes. Je fais des proutes magiques. C'est pas lui. Bah, c'est le seul coup que j'ai. Un prout magique. Alors là, je suis nourrite. Bon, le chien, il est toujours nul, hein. Ouais, désolé, c'est mais... Même avec des pouvoirs... S'il est Malheur.
Tu mets tous les ennemis. Oh. Toutes les morts d'ennemis. Oh. À la bouche. Monsieur l'agent, je vais débattre. Ah, le deuxième boss, le renard à neuf queues. Il y a bien un renard de à neuf queues. Bon, ben elle aura pas fait long feu. Alors, est-ce qu'on fait un long play, on le finit, ou est-ce qu'on s'arrête là? Ça fait un quart d'heure. Peut-être s'arrêter, parce que ouais. Finir, il y a combien de boss encore? Je sais pas. Chaque fois qu'on le finit, il y a 12 boss et on finit jamais. C'est ça. C'est des ennemis bizarres, non? C'est toujours les mêmes? Non, c'est. Ça n'avance pas beaucoup. Bon, je crois qu'on a à peu près tout montré sur le jeu. Après, vraiment, le kiff, c'est dans. Faut jouer soi-même, je pense. Après, ce sera juste des nouveaux décors ou des. Quelques nouveaux monstres, mais il va y avoir beaucoup de recyclage. Parce que là, les coups, c'est malheureusement. Les mêmes, hein. Il n'y a pas de boules magiques différentes. C'est ça. On va s'arrêter là pour 5 Goku 2. Si je me mets en face, c'est mieux. Bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez des pouces. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.